quoi? Qu'est-ce que vous dites? C'est moche et on ne voit rien. Eh bien oui, c'est moche et on ne voit rien. Ah, je ne m'attendais pas à un tel brouillard pour rejoindre Moucron et les Ch'tis givrés. Ils portent bien leur nom, ceux-là, à peine 2 petits degrés pour rejoindre leur 13e rallye. Pardon Gabriel, on ne dit pas 13e rallye, mais 12+1 NM rallye. Question de ne pas foutre la poisse au motard. Allez go, on y va et on garde sa motivation. Je vous mets le générique le temps d'arriver au point de ralliement. Bienvenue chez les Ch'tis givrés. Je n'ai pas encore trouvé les Ch'tis givrés, mais j'ai déjà trouvé leur moto. Des trails et encore des trails. Pas de doute, je suis bien arrivé dans un rallye moto. C'est devant un bon café chaud et des croissants que j'ai enfin retrouvé mes amis. Des motards venus de Lille, de Calais, de Dunkerque. Mais aussi quelques bons petits Belges, dont Gabrielle, votre narratrice. Après le déjeuner, on a eu droit au briefing de Robert, dit Bob, dit le chef des Ch'tis givrés. Attention au vélo, attention au radar, et puis surtout ne soyez pas trop en retard pour le dîner, sinon vous devrez prendre la petite boucle de l'après-midi et non la grande. Le village apparemment il a privatisé le rallye, donc toute la place est à nous, vous verrez bien quand même. Et on a accueilli dans un chapiteau chauffé. On peut faire des bornes. Robert, il dit c'est une belle petite route. Vous faites attention, on est samedi, il va faire beau, on est dans le Hainaut et il va y avoir sûrement plein de vélos. Après le checkpoint, on a pu s'élancer sur nos machines, enfin, tels des gosses sur la cour de récréation. Dès les premières minutes, le gros du problème allait être le brouillard, qui, pendant notre déjeuner, en avait profité pour se transformer en véritable purée de pois. Nous roulions à travers des nuages d'eau. Avec comme conséquence, bien sûr, il y avait de la flotte sur tout. Sur mon pare-brise, sur ma visière, mais surtout sur mes lunettes. Bref, je me suis arrêté et la seule solution que j'ai trouvée a été de descendre au maximum mon pare-brise, de rouler avec la visière ouverte, et de ranger mes lunettes dans son étui. J'ai roulé comme ça jusqu'au checkpoint de 10 heures, parfois au petit bonheur la chance, en me fiant plus à mon tracé sur le GPS qu'à mon visuel. Parfois même, je me suis risqué à des petites pointes quand j'étais certaine que le tracé était droit devant moi. À cause du brouillard, ma veste et mes gants se gonflaient d'humidité et accentuaient encore l'impression de froid. Alors j'ai eu vraiment super froid, alors j'étais me réchauffer là dans le café, il y a un bon poêle et là bah, il est déjà temps de se remettre en route. Alors, les courageux qui sont prêts au départ, prêts. Mais en fait si on part pas tout de suite, je pense qu'on va plus repartir là, tellement on a eu froid ce matin.
Le moment magique de cette matinée difficile, ce fut l'apparition soudaine du soleil juste devant moi, comme la promesse de quelque chose de beau. J'ai roulé comme ça longtemps, en ne pensant à rien, juste à ce combat entre l'ombre et la lumière qui se déroulait sous mes yeux. Et puis, au plaisir d'être là, simplement, vivante, sur ma moto. Et finalement, c'est avec le plein soleil que nous sommes arrivés au checkpoint de 13h. On était bien content de pouvoir s'asseoir sur la terrasse au soleil avec une soupe bien chaude et un bon repas. Je profite de cette pause un petit peu plus longue que les autres pour vous montrer le parc des motos. Alors à l'avant-plan, ici d'abord des KTM. Ensuite une GS. Une vieille XR des années 80, une XR 600. Une vieille Ténéré 900, je pense. Vient une XR BMW. Ça, c'est étonnant. Et puis, bien sûr, une GS, encore une GS. Vraiment toute une flopée de GS là, toute la rangée ce sont des GS. Et derrière vous avez vu, il y a encore une Ténéré. Alors je vous montre la Ténéré en gros plan. C'est une Ténéré qui a été complètement refaite par son propriétaire. Encore une Ténéré des années 1990. Une vieille XR 600. Honda, une Africa Twin comme la mienne, mais ici un ancien modèle avec les phares ronds. Et puis en blanc et bleu, deux DR Suzuki 600. Ici, encore une vieille XR 600, avec son tableau de bord en rouge. Cela doit être une des dernières générations fabriquées de cette moto. J'ai repris la route dans les premiers motards afin de profiter de cette belle après-midi et de ce beau ciel bleu. Nous avons roulé l'après-midi dans une campagne bucolique et de magnifiques paysages. Pas de difficultés particulières à souligner. Nous avons alterné petites routes et chemins de campagne. Il fallait cependant rester vigilant car certaines routes étaient encombrées par de la terre déposée par les véhicules agricoles. J'ai beaucoup apprécié de rouler le long des grandes prairies bordées de haies. J'ai tellement apprécié la balade que j'en ai perdu mon chemin à deux fois. Comme ici, le long des haies où il a fallu faire demi-tour.
Toujours dans le parc naturel régional de la Vesnois, nous avons fait une grande boucle dans la forêt domaniale de Mormal, au nord du village de Maroal. Puis, progressivement, nous avons repris la direction du nord et de la Belgique. Notre dernier checkpoint était fixé à Condé-sur-Lescaut, où nous avons pu nous rassasier d'un bon morceau de tarte accompagné d'un café. Merci d'avoir regardé mon reportage. Laissez-moi un message et likez la vidéo si vous avez aimé. Merci à Bob et à son équipe de bénévoles des Ch'tis Givrés pour cette magnifique journée. À très bientôt pour une nouvelle aventure. Ciao !